avec les consignes données par le coach qu'on a respecté, ce qui a amené le but. Donc on a pu respecter les consignes du coach. Donc ça nous a amené à la victoire. Bon, c'est avec le cœur qu'on a joué. Donc sans le cœur, on ne pouvait pas arriver là. Donc vraiment, on remercie le grand Dieu de nous avoir donné la victoire. Je pense que le football d'abord, c'est avant tout une question de motivation. Hein. Et quand vous êtes motivé et que vous avez la volonté de jouer, et je pense que c'est cette détermination-là qui a payé. Il faut féliciter l'équipe de la GCAT, une très bonne équipe. Nous, on avait soif, mais nous, il nous manque la réussite devant. On sort de 3 matchs, avec 3 matchs nuls, on ne gagne pas, on ne bat pas. Aujourd'hui, là, j'ai dit aux jeunes gens, si vous ne gagnez pas aujourd'hui, moi, je pense que moi, je dois partir parce que le championnat, c'est maintenant qu'il faut chercher les points. Au finish, marquer 2 buts aujourd'hui, ce qui n'est pas facile. Moi, je trouve qu'on n'a pas été réaliste. C'est ce qui nous a manqué. Surtout qu'on avait assez d'occasions pour pouvoir scorer, même pour gagner ce match. Mais malheureusement, dominer n'est pas gagné. Et puis, il faut savoir qu'ils ont été plus efficaces que nous.